Hello, bonjour à tous. Donc, bah, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Hein. Je sais pas ce que vous vous en doutez. Lol. Enfin bref, du coup, bah, comme je vous l'avais promis sur une vidéo précédente, je voulais vous présenter petit piou-piou. Il est trop choupinou. Petit piou-piou. Il dit bonjour. Voilà. Donc ces petits pioupiou qui faisaient beaucoup beaucoup de bruit il y a quelques jours et puis là bah ça va beaucoup beaucoup mieux puisqu'il se sent plus à l'aise. C'est je pense un de nos Brahmas. Donc ça va être une belle belle poule par la suite. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour vous présenter le Color Tronic. Alors pourquoi je vous le présente? Parce que vous l'avez déjà vu hein, sur une de mes anciennes vidéos pour les plus anciennes qui sont là. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il est terminé d'être colorié. Donc je vais vous le présenter bien sûr sur mes mains en aplat. Ce sera quand même beaucoup plus sympa que comme ça en l'air où les vidéos ne sont pas terribles, terribles. Petit piou-piou a fait caca sur ma table. Super! Voilà, donc je vous retrouve pour la suite tout de suite sur mes mains. Et ben voilà, c'est tout. Il y avait qu'une trentaine de coloriages à l'intérieur, donc ça a été relativement vite. Donc tous les premiers, un peu de ce style-là. Donc ceux-là, ils ont été faits avec les Fibracolor, les Pen 68, et pour certains, j'ai fait le fond avec les Posca. Là c'est pareil, le petit chien c'était un Posca argenté. Là il n'y avait pas de Posca, il n'y avait que les crayons. Ici il y a le Posca noir. Donc pour la plupart, voilà, ça a été fait avec mes feutres classiques Pen 68 et Fibracolor. Et en arrivant, crois que c'est à partir de ici qui a été fait en juillet, j'ai utilisé aussi un peu des Tombow et aussi pour celui-ci le fond. J'avais réalisé le fond au gelato, je sais pas, mais je vous l'avais déjà dit. Il me semble que je vous avais fait même voir la vidéo, je crois. Enfin, je sais plus si je l'avais fait en vidéo ou pas. Le fond, enfin bref, je le trouvais très joli. Et donc, celui-ci qui a été terminé. Le dernier.
Alors j'avoue, j'ai pas fait trop de chichi. Après, ça faisait un moment qu'il était en route et qu'il n'était pas fini. Donc voilà, donc je suis super contente parce que vraiment, c'est un livre que j'ai vraiment adoré colorier. Le fait que bah, ce soit un coloriage mystère, mais en même temps, les couleurs que vous mettez, faut que ça se rapproche des ronds, mais c'est pas obligatoire que ce soit exactement la même couleur. Alors que dans les coloriages mystères habituels, si la couleur diffère un peu, c'est vrai que c'est plutôt gênant. Mais là, vraiment, ça gêne en rien du tout, puisque bah, c'est de l'imaginaire, c'est vraiment très colorié, très. Enfin, c'est plein de couleurs, c'est très lumineux, très. Et du coup, c'est vraiment sympa de le faire parce qu'on se prend vraiment, vraiment, vraiment pas la tête. D'ailleurs, j'ai vu chez Chris Color qu'elle en avait. Elle a celui-ci, mais elle a aussi une version jaune avec un chien dessus. Et moi, je ne l'ai pas eu. Je l'ai pas eu à Noz, puisque je l'avais payé 3 euros à Noz. Mais j'ai vu qu'il était actuellement en vente sur. Enfin, peut-être pas actuellement, ça fait un moment que j'avais regardé. Je l'avais vu en vente sur Amazon. Mais du coup, celui-là, je l'ai payé 2,99, donc 3 euros. Hein? Et là, le prix Amazon, c'est presque 12 euros, je crois. Donc, comment vous dire que d'avoir le même livre à 12 euros que j'ai payé 3 euros, ça fait quand même 4 fois plus cher. Donc, c'est pour ça que ça m'embête de le commander. Puis bon, après, avec tout ce que j'ai déjà à faire, je pense que ça va le faire. Je pense que j'ai pas besoin d'en racheter pour l'instant. Donc, voilà. Donc j'ai adoré le faire, je le conseille vivement parce que le papier est top, les couleurs je vous dis vous faites comme vous le sentez. Après c'est le genre de colo que beaucoup de personnes arrivent à faire, moi j'arriverai pas à le faire sans avoir un thème couleur. Faire des coloriages complètement décalés comme ça, moi je sais pas faire, j'arrive pas à trop décaler les couleurs. D'ailleurs, vous allez voir d'ici peu, j'ai participé au concours Inkybox de juillet. Je crois que c'est juillet. C'était, ouais, j'ai participé au concours de juillet. Où le dessin imposé, c'est un espèce de cupcake avec une. Enfin, la base du cupcake, c'est un buste de femme et tout ça. Et du coup, il fallait totalement que je sorte de ma zone de confort, quoi, de ce que je fais habituellement. Et franchement, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. D'ailleurs, dès que le concours, la fin des envois du concours, c'est le 12. Donc c'était le 12. Donc dès que je vois que tous les colos sont sortis, je vais pouvoir, parce que je l'ai fait en speed coloring en fait. Donc je vais pouvoir vous sortir la vidéo et comme ça vous pourrez voir le résultat. Franchement, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Bien que je pense pas être dans les gagnantes, mais c'est pas grave. Moi, je suis vraiment très contente de ce que j'ai fait et ça m'a super fait, enfin ça m'a fait plaisir de pouvoir sortir de ma zone de confort et de m'en sortir finalement. Donc voilà. Donc j'étais super contente et voilà. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc je recommence à blablater comme d'habitude. Ça n'arrêtera pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je sais que vous aimez bien quand je parle de colo, donc c'est pas grave. Donc voilà. Donc si jamais vous souhaitez me contacter et que vous n'avez pas envie de mettre un commentaire sur la vidéo, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je vais y joindre mon adresse mail. Et si vous voulez me parler en perso, comme ça, ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Par mail ou sur mon compte Facebook, mais mon compte Facebook en fait c'est un compte spécial sur le coloriage. D'ailleurs je suis pas à jour, faut que je me mette à jour. C'est un compte spécial sur le coloriage et j'ai un compte spécial coloriage et un compte spécial bah, compte perso où j'ai tous mes amis, ma famille, tout ça. Du coup c'est un peu compliqué de jongler entre les deux, donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous mettre mon adresse mail. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout portez-vous bien. Bye bye!